Africain, marie-toi en fonction de l'avenir. Cherche une femme qui peut t'apporter de l'argent. Dans tes critères pour épouser, n'épouse pas seulement la beauté, épouse aussi l'entrepreneuriat. J'aime cette femme, elle est belle, mais elle est aussi entreprenante. N'épouse pas une femme qui amène dans le mariage seulement ses seins et son ventre. Tu amènes quoi dans le mariage? Les seins et le ventre. Le ventre pour porter tes enfants et les seins pour les allaiter. On n'a pas besoin de ce genre de femmes. Nous avons besoin de femmes qui amènent de l'argent, qui cherchent de l'argent, qui font gagner de l'argent à leur mari. Et c'est ça la femme qu'on va respecter. La femme qui dit émancipation de la femme, mais elle est là à la maison en train d'attendre l'argent de son mari. C'est une voleuse. Femme cherche l'argent. C'est vrai mon frère, tu aimes les femmes belles. Oh, des teints clairs ou des teints noirs. Merci beaucoup. Mais je t'ajoute un critère. Trouve sexy la femme qui gagne de l'argent. Tu lui donnes 100 dollars. Une semaine après, tu dis, papa, j'ai gagné sur les 100 que tu m'as donné 20 dollars. Ça, c'est une femme à épouser. Mais il y a des femmes dans la vie. Tu vas l'épouser et n'amène que ses seins et son sein. Le sein et les seins. C'est tout ce qu'elle amène. Et à part ça, elle t'amène aussi la toxicité. Elle est très toxique. Des problèmes chaque jour. Tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas lui faire la remarque. Ma femme, les habits sont sales. Donc tu me dis que je suis sale. Donc tu m'attaques de ça. Donc tu me critiques. Donc tu es en train de m'injurier. Tu vas me montrer aujourd'hui ma saleté. Montre-moi ma saleté. Montre-moi ma saleté aujourd'hui. Tu n'amènes rien. Tu n'as amené que le ventre et les seins. Et les problèmes. Tu as une grande parcelle, mais tu payes feuilles de manioc. Tu as une grande parcelle, amarante, tu payes. Et tu as une femme à la maison, elle est seulement mettre au monde et à l'aider. Elle n'apporte rien. Et dès qu'il y a un petit conflit, elle prend le poste de téléviseur, le lit, elle fuit avec. Le lit qu'elle a produit,